Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs qui vont gagner cette finale avec fou cavalier pion contre cavalier pion, donc un fou de plus, mais on le sait en finale, hein, pour gagner il faut amener un pion à dame, il faut avoir au minimum en fait une tour d'avance s'il n'y a pas de pion. Donc comme il n'y a plus qu'un seul pion, évidemment, eh ben, une pièce de plus, ça suffit pas pour gagner si le pion est capturé. À moins, évidemment, de mater, bien entendu, comme c'est une étude, bien sûr, il risque d'y avoir un mat. Alors, c'est pas une étude, on va dire, qui restera dans les annales des études, parce qu'il y a plusieurs façons de gagner, en fait, dans cette finale avec les blancs, même si le premier coup est obligatoire, malgré tout. Les noirs ont une menace concrète qui est d'aller capturer évidemment le pion des blancs, le pion dangereux, le seul pion des blancs, le pion qui permet aux blancs de gagner normalement la finale. Donc on sait bien sûr que la finale fou cavalier contre cavalier est nulle, bien sûr. Une seule pièce d'avance, ça ne suffit pas. Alors il y a des cas particuliers dans des positions de fou contre cavalier qui sont gagnantes, mais bon, c'est très très long à gagner, très compliqué. En tout cas, là, c'est fou cavalier, donc dans tous les cas, un fou cavalier contre un autre cavalier, ça ne gagne pas. Alors, il faut empêcher le coup de roi en G3, donc l'introduction est simple. On commence par le fou en E5 qui bloque le roi. Et donc, si les noirs font rien, le cavalier, évidemment, va prendre le pion des noirs. Et va pouvoir se rapprocher ensuite de l'autre côté. Alors évidemment la finale fou cavalier contre roi est gagnante. Hein. Bon, elle n'est pas trop compliquée à gagner si on connaît la façon de le faire. Donc les noirs ont intérêt à conserver leur cavalier et donc à essayer de gagner le pion. Mais aussi ils doivent conserver leur pion. Donc évidemment ils vont avancer leur pion. Le cavalier blanc va bouger. Alors le coup logique serait d'aller vers le roi noir pour essayer de gagner des temps avec le cavalier. Après, le coup cavalier en A5 est possible pour attaquer le pion. C'est une autre façon de gagner. Quand le pion va avancer, le roi blanc va se rapprocher pour aller protéger en fait son pion. C'est pas pour aller vers le pion noir. Et en fait, le cavalier blanc va se sacrifier sur le pion des noirs. Et voilà, et le fou gagnera contre le cavalier normalement. Le cavalier est trop loin et mal positionné. La finale serait gagnante. Mais on peut supposer que le coup de cavalier en D2 est un peu meilleur, puisque ça va gagner plus vite, ça va être moins compliqué, on ne sera pas obligé de passer par une finale fou contre cavalier, où il faudra jouer des coups précis pour gagner. Bon, ici, il faut jouer des coups précis, mais beaucoup moins, en fait. Donc on va voir ça, cavalier D2 attaque le pion, évidemment, en C4. Le pion est obligé d'avancer. Et là aussi, bah, deux façons de gagner. Bon, la logique voudrait qu'on fasse échec. Et qu'on vienne arrêter le pion avec le cavalier, donc ça c'est plus simple a priori pour gagner, hein, puisque on bloque le pion passé. Quand le cavalier va venir faire échec, on peut simplement bouger le roi. Là, il peut pas se sacrifier sur le pion parce que le fou va arrêter le pion tout simplement avec fou B2. Et s'il fait l'inverse, on prend le cavalier. Et quand il reprend le fou, on aura le temps de protéger le pion avec le cavalier. Voilà. Et comme ça, on est tranquille. Hein, le cavalier défend le pion. Si le roi va chercher le cavalier, évidemment, le pion avance de deux cases et va faire dame. Mais là aussi, peut-être le coup le plus direct et le plus simple si on a vu la suite. Hein, enfin, le plus simple, entre guillemets, si on a vu la suite, c'est le jeu cavalier en B4. Pour menacer de prendre le pion et qui force pratiquement le coup suivant hein, qui va être d'avancer le pion bien sûr pour la dame on se dit bah tiens c'est bizarre ce pion il va quand même faire dame mais oui les blancs ont prévu alors c'est voilà on a l'introduction des trois premiers coups c'est un peu ici que pourrait commencer l'étude finalement là c'est vraiment la seule façon de gagner maintenant même si évidemment on a besoin souvent quand même d'une petite introduction pour que l'étude soit intéressante, pour pas avoir tout de suite la position à chercher immédiatement, mais l'introduction était moyenne, on va dire, puisqu'il y avait plusieurs façons de jouer avec les blancs, même si c'était peut-être le plus simple de jouer comme ça. Mais si on voit la suite, évidemment, vous avez trouvé peut-être les menaces que vont créer les blancs sur le roi noir qui a plus beaucoup de cases. On vient bloquer la dernière case du roi ici.
Mais comment on va réussir à le mater? Parce que là, vraiment, on aura besoin de mater, parce que le pion noir fait dame, bien sûr. Là, vous avez trouvé, évidemment, le mat en quelques coups forcés, les coups forcés, et oui. Échec avec le pion, c'est un blocage, hein, le thème du blocage ici, qui n'est pas un thème très courant, hein, et même en finale, hein, que ce soit en milieu de partie comme en finale, d'ailleurs, ça arrive plus souvent en milieu de partie qu'en finale, à mon avis. Thème du blocage, hein, le quai est obligé de prendre le pion, et là, le fou qui donne échec, et le seul coup, c'est de couvrir avec la dame, on prend la dame, et c'est mat, voilà. Donc, petite, jolie fin, hein, pour cette étude, rapide finalement. Hein, parce qu'on pouvait passer par d'autres façons de gagner, mais beaucoup plus longues et plus complexes, plus techniques en tout cas. Et puis c'était quand même nettement plus joli de faire comme ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.